Remets le son. Coupe le son. Martial se dédouble chaque mercredi 20h-22h sur VL. On est plutôt pas mal l'équipe, bonsoir à tous, honorés évidemment de vous retrouver. C'est l'interview sans vitre de Doran Dargelier, évidemment. Doran, c'est moi, vous m'avez reconnu. Ce soir, vous le savez, on est dans la bienveillance, on est dans la bienséance, on est dans la fulgurance, un petit peu hein, tous les mots finissant par ans. Mon invité ce soir, exceptionnel, je l'aime, que dis-je, je l'adore, il a fait les beaux jours de Radio VL. Et aujourd'hui, il est en passe de devenir une des grandes stars de sa génération. J'ai nommé un Gino. Salut mon Gino, comment ça va? Ça va mon Dodo, et toi? J'ai envie de te dire, pour moi ça va, ça roule plutôt même. Oh putain, mais bon. Gino le tuning, le gars, voiture, tout ça. Vous avez la vanne, très bon, très très bon. Alors Gino, évidemment, c'est la gourgandade, c'est la rigolade. Gino, évidemment, on le sait, vous battez sans cesse des records d'audience avec votre émission sur le tuning. Quel est votre secret, Gino? J'ai envie de dire, what is your secret, quelque part? Ouais, écoute, je sais pas dans quelle langue tu parlais, mon gars, mais quand tu vois ma gueule, y a pas de secret, mon gars. Quand tu vois le physique ravageur de l'animateur, ça peut que marcher. Oui ou merde? C'est vrai. Oui ou merde? C'est vrai, oui. Merci. Oui. Tu as pris le Doran Dargelier par les tripes. Gino, tu sais faire. Alors, Gino, on va pas se mentir, évidemment, les plus grosses radios sont à tes trousses. Toutes les radios de France te veulent. Alors, j'ai envie de poser le où est donc Ornicard, hein? Qui, quoi, comment, pourquoi? On veut du buzz, Gino. On t'écoute, on veut des noms. Mon dodo, tu sais que je t'adore. Ça fait des années que t'es dans le milieu, que t'es dans le métier. Tu sais, vraiment, je peux pas tout balancer comme ça, tire l'arigot. Oui, mais on veut des noms. On veut des noms. Non, mais écoute. C'est l'interview sans vitre, Gino, on veut des noms. Ma gueule, je peux rien te dire. Parce que c'est quoi les deux options? Soit on me pique l'idée, et là, j'ai les mains dans le cambouis, je suis dans la banane, hein. Soit on me porte la poisse, et là, il me reste plus qu'à aller coucher avec mon levier de vitesse, alors je fais quoi, ma gueule? C'est vrai que je suis d'accord avec cette expression, mais je veux des noms, Gino, s'il te plaît. Ma gueule, tu sais que je t'adore, on est comme des frères, toi et moi, on était cul et chemise quand on a fait le salon du tuning en 92. Putain de merde. Ouais, arrête, qu'est-ce que tu fais? C'est l'interview sans vitre ici, ok? Doran Dargelier, on a rien à foutre. Merde. Tu mets des claques dans la gueule! L'équipe, c'était donc l'interview sans vitre de Doran Dargelier, donc moi-même, hein, évidemment. Bon, finalement, ce soir, il y aura eu de la vitre. Vous avez capté? Laissez tomber. Bon, au moins, ça fait du buzz. On est plutôt pas mal, on est plutôt content. Je remercie évidemment notre partenaire Télé Gloisir et Le Corner à Boulogne-Billancourt. On souhaite évidemment le meilleur à Gino le Tuning, mon petit Gino. Mais ça t'a craqué ou quoi, ma gueule? S'il te plaît, Gino, s'il te plaît, tu respectes l'élément principal, s'il te plaît, de l'interview quand même. Hein, s'il te plaît, c'est l'interview sans vitre, il va y avoir une deuxième vitre dans ta gueule. Bien. Allez, l'équipe, on se retrouve très bientôt. Et d'ici là, on compte sur vous. Allez, bye bye. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.